Monsieur l'abbé Cholet, bonjour. Vous êtes le porte-parole de la CENCO. Vous venez de sortir du bureau du ministre des Affaires étrangères belge. Est-ce qu'on peut savoir ce qui s'est dit entre la délégation de la CENCO et vous? Sur son invitation, le président de la CENCO est venu rencontrer le ministre du Renders. C'était pour faire l'état des lieux de la situation sociopolitique au Congo, savoir où on en était avec la médiation. C'était ça. Monsieur l'abbé, vous savez que les Congolais à travers le monde sont très inquiets par rapport au processus. On a appris que le 27 vous clôturez. Est-ce qu'il est possible de tenir le délai? C'est possible. S'il y a bonne volonté politique, nous attendons beaucoup de la plénière qui est en train d'avoir lieu maintenant là avec le vice-président. Mais s'il y a bonne volonté, comme j'ai dit, on peut tout régler. Même demain, on pourrait clôturer. Donc la bonne volonté, deux mois après, elle n'est toujours pas là. Vous pensez que par la magie de Dieu, vous toucherez le cœur de nos politiciens finalement? Je crois qu'il ne faut pas s'amuser avec Dieu à ce niveau-là. Hein. Donc okay. C'est question de volonté des hommes politiques. Les évêques ont suffisamment parlé. Il arrivera un moment où ils vont établir les responsabilités. Ok, un dernier mot pour les Congolais qui vivent à l'étranger. Qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de la CENCO et de ce que vous faites? La CENCO joue pleinement, consciemment, son rôle de médiation, mais la première responsabilité des acteurs politiques, la CENCO sera amenée à dire qui bloque, et alors le peuple sera pris à témoin. Monsieur l'abbé, nous vous remercions. Merci, monsieur. Ok. Marc. Thank you.